Je suis cofondatrice de la société DECA Ambassador, fondatrice d'un concept que j'ai innové, créé dernièrement, qui s'intitule l'Arabian Fashion Week, qui est destiné majoritairement aux femmes. Et puis j'ai aussi fondé le forum franco-arabe du tourisme de luxe et de la mode, car j'avais remarqué qu'en France, il n'y avait aucun lieu, aucune conférence, aucun forum. Cet événement, ce forum franco-arabe du tourisme de luxe et de la mode, s'adresse dans un premier temps aux ambassades des pays arabes basées en France, mais aussi aux acteurs du tourisme tels que les palaces, aux organismes comme Atout France, tous les acteurs du tourisme concernés. Alors ce forum est une manière aussi de mettre en lumière le renouveau du monde arabe. Je tiens personnellement à remercier mes chers partenaires et bien évidemment je pense au Mandarin Oriental qui nous a reçus dans ce prestigieux palace. Je pense aussi à Annuaire Oriental qui nous a soutenus lors du forum et je remercie tous mes partenaires, tous mes chers partenaires qui m'ont suivi pour justement créer ce forum et pour que ce forum puisse être un succès et bien évidemment mes intervenantes qui nous ont touchés lors de leur discours. Je vous invite maintenant à découvrir la première édition du Forum franco-arabe du tourisme de luxe et de la mode. Mesdames, Messieurs, c'est effectivement la première édition de ce Forum franco-arabe du tourisme de luxe et de la mode. Et je suis heureux de saluer à cette occasion notre organisatrice, animatrice, Lisa Ferra, mon adjointe. C'est vrai que le 15e, pour ceux qui ne connaissent pas encore, est un arrondissement très fier de pouvoir compter sur des hommes et des femmes mus par une passion, celle d'un engagement au service de l'excellence professionnelle et de l'art. Vous le savez, le luxe français est un secteur absolument essentiel et porteur d'avenir pour notre économie et qui sait parfaitement s'adapter aux mutations, aux évolutions et même le plus souvent donner le ton. Et c'est la raison pour laquelle il nous a paru vraiment tout à fait naturel avec mon adjointe, Lisa Ferra, de recevoir le Forum franco-arabe du tourisme de luxe et de la mode dans cette, c'est vrai, assez fastueuse salle des fêtes. Ce lien est dans notre arrondissement indiscutable à travers l'implantation de communautés nombreuses, la présence du centre culturel algérien avec lequel nous travaillons beaucoup, les consulats du Maroc, la Libye, ou d'événements culturels politiques ou festifs divers. Aussi, nous avons accueilli la première semaine de la culture arabe en 2009 dans le prolongement de ce qui était à l'époque une grande manifestation internationale qui s'est tenue à l'UNESCO, toute proche d'ailleurs, dont une partie même dans le 15e, sur le thème de la créativité de la femme dans le monde arabe. Je suis heureux de voir tant de femmes réunies à la tribune. Je n'ai pas tout à fait dans la parité, mais sur les 100%, sans doute. Et ceci nous a permis, enfin ce forum nous a permis d'apprécier combien la femme dans le monde arabe était diverse, originale, talentueuse, comme toutes celles qui siègent à cette tribune, bien sûr. Les actions, toutes ces actions illustrent la richesse de nos cultures, de nos traditions, j'allais dire surtout de nos échanges, qui leur permettent de s'enrichir mutuellement, mais aussi de l'esprit d'ouverture de Paris, de notre arrondissement, qui a su faire de sa diversité un atout au service de la performance économique, autant qu'un élément d'ailleurs de politique sociale, voire sociétale. Et cette journée veut créer justement des opportunités supplémentaires, veut être moteur du dynamisme économique et culturel pour favoriser l'attractivité de la France grâce au partenariat que vous allez, je l'espère, pouvoir ouvrir cet après-midi. Précurseur dans ces libertés de parole, enfin, pour cela je tiens à remercier DECA Ambassador, et tout particulièrement ses cofondateurs, Jamila et Hussein Kardoun, pour introduire ce nouveau concept, je veux dire, dans notre mairie. Nos intervenantes, et je tiens encore tout particulièrement à saluer ma collègue Catherine Dumas, ambassadrice incontestée du luxe en France, ma collègue au Conseil de Paris et mon ex-collègue au Sénat, qui vont nous permettre d'appréhender et de révéler, à travers leur approche personnelle de l'économie du luxe, du tourisme, du luxe et de la mode, de nouvelles opportunités pour faire découvrir et aimer les richesses de nos pays.
paix et surtout, vive l'amitié entre la France et les pays arabes. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, bonjour. Je voudrais, avant de parler en effet de ce sujet qui me passionne, remercier tout d'abord Philippe Goujon pour son accueil à la mairie du 15e arrondissement. C'est toujours un grand plaisir pour moi de venir dans cette mairie à l'invitation d'un ami et parler la plupart du temps, il faut bien le dire, du rayonnement de la France, de l'excellence de la France, des atouts de notre pays. Dans cette, comme tu l'as rappelé, très belle salle. Je voudrais également saluer les élus du 15e arrondissement qui sont également des amis qui sont ici, Louisa Ferrat qui a contribué à l'organisation de ce forum franco-arabe du tourisme, du luxe et de la mode, et puis évidemment Jamila Kerdoum qui m'a aussi gentiment invité à parler. Alors moi, en quelques mots, et je vais rentrer dans le sujet, je voudrais dire que je suis avant tout une femme politique, française, Philippe l'a rappelé, qui était sénateur, qui est actuellement membre du Conseil de Paris et qui s'intéresse à tous les sujets d'excellence française. Parce que je considère qu'il y a beaucoup d'atouts dans le pays, dans notre pays, et qu'il s'agit d'abord de les faire mieux connaître peut-être et puis aussi de faire en sorte qu'ils puissent perdurer. Donc, je travaille sur tous les sujets liés au rayonnement de la France, qui sont les métiers d'art, les savoir-faire, le luxe, bien entendu, la gastronomie, l'œnologie, le tourisme également, en plein dans le sujet dont vous voulez parler. Je préside un club de parlementaires qui travaille sur la table française, mais y compris les arts de la table, donc on rejoint le secteur du luxe. Et j'ai essayé de développer une expertise sur ces sujets dans le monde politique pour quelque part sensibiliser d'abord le monde politique, mes collègues, à l'importance de ces sujets qui sont une importance à la fois patrimoniale puisque c'est vraiment le patrimoine de la France, mais aussi économique parce que c'est énormément d'emplois. Et puis enfin, c'est aussi l'image de la France à l'extérieur et c'est encore une fois important. Je voudrais peut-être finir pour dire que si la France a une spécificité en la matière, avec encore une fois cette diversité de 117 métiers, qu'on retrouve d'ailleurs sur tout notre territoire, avec beaucoup de créateurs, nous sommes bien conscients que beaucoup d'autres pays ont également des savoir-faire, et notamment d'ailleurs dans les pays arabes, il y a de très beaux savoir-faire. Et je pense qu'on a tout intérêt à encourager des partenariats entre les pays autour des métiers d'art, donc autour du luxe également. Et je salue donc cette initiative d'aujourd'hui, ici à la mairie du 15e. Je voudrais dire qu'également cette initiative m'intéresse parce qu'il s'agit des femmes. Et que également, bon, j'ai l'habitude en effet de travailler avec des femmes. Je préside d'ailleurs un réseau de femmes de haute responsabilité en France. Et nous sommes très intéressés par les échanges avec les femmes des autres pays. Donc vraiment, je suis très contente de participer à cet après-midi. Maintenant, je vais vous présenter Madame Hélène Pichon. On a l'honneur de la recevoir aujourd'hui et qui va nous parler un petit peu de son expérience lorsqu'elle était à Bahreïn. Messieurs les ambassadeurs, messieurs et mesdames les représentants des différents pays, j'aurais voulu saluer monsieur le député qui vient de nous quitter. Chers amis des pays du monde arabe et de France, c'est une grande joie pour moi de venir m'exprimer aujourd'hui devant vous de cette amitié franco-arabe et de cet amour que nous avons les uns pour les autres. Je voulais remercier très particulièrement Jamila Kerdoum aujourd'hui pour son invitation. Je suis très heureuse d'encourager son initiative, ce qu'elle fait, son esprit d'entrepreneur et cette passerelle du beau qu'elle a décidé d'incarner parmi nous ici. Vraiment, merci à chacun de l'encourager sur cette route. Alors moi, je suis très heureuse de venir témoigner parmi vous aujourd'hui de mon parcours d'amitié avec le monde arabe. La vie m'a fait ce cadeau de pouvoir découvrir le monde arabe relativement jeune. J'ai commencé par le Liban, où j'ai étudié au Liban les sciences politiques et j'avais étudié la coopération européenne, particulièrement décentralisée au Liban, ce qui m'a permis de découvrir cette terre de culture et de richesse arabe extraordinaire. Donc, premier déclic et première chance d'aller sur ce parcours
ce parcours du monde arabe. Et puis, plus récemment, j'ai eu la chance de vivre pendant plus de 2 ans à Bahreïn, tout à côté de l'Arabie Saoudite, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Bahreïn, c'est un tout petit pays, mais pour moi, c'est un immense pays, parce que c'est un pays de tolérance, de culture, de dialogue des cultures, de profonde civilisation, la civilisation de Dilmun, je pense que vous connaissez tous, et où j'ai rencontré des femmes extraordinaires, des femmes merveilleuses, d'ouverture, d'intelligence, d'amour de leur culture et de leur tradition, mais aussi d'ouverture aux nôtres. Et lorsque je regardais tout à l'heure l'exposé de Jamila et cette vidéo où on voit ces femmes qui incarnent très bien cette beauté dont Jamila vient de nous redonner les racines, y compris dans la culture arabe, je les retrouve, ces femmes que j'ai rencontrées là-bas, qui, les unes, ont la chance d'avoir un parcours, je dirais, économiquement favorable, qui permet effectivement d'accéder à toutes ces richesses du raffinement évoqué par les cultures, par l'art, par tous ces métiers du luxe, mais aussi de l'art sous toutes ses formes, mais aussi les femmes beaucoup plus modestes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin à Bahreïn. Donc je suis heureuse de venir parler d'elles, parce que parfois les préjugés ont la peau dure, comme on dit. On imagine souvent encore la femme arabe comme prisonnière de nombreux carcans. Et moi, j'ai découvert des femmes très différentes, et des femmes qui portaient le progrès, la liberté, la libération aussi, dans leur corps, dans leur être, dans leur façon d'être et d'exister, dans les vêtements qu'elles portaient, dans toutes ces traditions qu'elles s'efforçaient de conjuguer au présent, de l'amour, de tout ce qui est beau. Et j'aurais vraiment à cœur de mentionner notamment Shira Sabika bint Ibrahim al-Khalifa de Bahreïn, qui a été en 2002 à l'initiative d'un conseil supérieur du droit de la femme à Bahreïn, qui fait un travail extraordinaire en la matière. Et également, tout ce que Bahreïn, en tant qu'État, s'est engagé déjà depuis 2002 à garantir comme égalité des droits entre les hommes et les femmes. Très souvent, ici en Occident, nous n'avons pas cette perception très affinée de ce combat des hommes et des femmes du monde arabe pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à travers ce qui pourrait paraître futile et superficiel, comme Jamila nous l'a très bien rappelé tout à l'heure, qu'est le raffinement vestimentaire, la mode, eh bien non, à travers ce raffinement, on exprime bien autre chose. On exprime des droits fondamentaux, des droits humains qui sont si menacés aujourd'hui, partout dans le monde, et qu'il faut défendre, et auprès desquels il faut s'engager. Pour moi, le travail de Jamila, c'est un travail fondamentalement, politiquement, très fort. C'est le travail pour la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de rayonner, de dialoguer avec les cultures, aimer la culture du monde arabe, aimer la culture de l'Occident, comment les uns les autres nous enrichissons de toutes nos différences. Lorsque Cheikhame à Bahreïn ouvre un opéra, un magnifique opéra, une splendeur architecturale, où on peut aller voir le lac des Cygnes, je le rappelle, c'est quelque chose de merveilleux. Et ici, lorsqu'à Paris, on peut aussi assister à l'Institut du monde arabe, ou ailleurs encore, ici dans les centres culturels du monde arabe, on assiste à l'éblouissement de nos cultures qui ne cessent de nous charmer et de nous éveiller. Je dis là, nous touchons au cœur de ce qu'il y a de plus beau dans notre humanité. Et c'est pour ça que nous devons nous mobiliser. Et je terminerai mon petit plaidoyer plein d'amour, vous l'avez compris, pour le monde arabe, par une sorte d'appel. Moi qui suis française, mais suissesse également, j'appelle nos autorités, ici représentées de façon extrêmement éminente par Madame Catherine Dumas, à engager une réflexion beaucoup plus profonde sur la possibilité pour nos enfants d'apprendre la langue arabe en qualité de langue étrangère dans nos écoles, depuis au moins le collège, puis au lycée.
Il est très important que notre pays, la France, cesse réellement d'être autiste. Lorsqu'on a autant d'enfants qui ont la chance d'avoir un parent, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante, qui maîtrise cette langue arabe, qui va avec toutes ses cultures, ses saveurs, qu'elles soient culinaires, l'a évoqué Jamila tout à l'heure, qu'elles soient matérialisées dans toutes ses cultures, des vêtements, du raffinement, des bijoux, etc. Et qu'on ne peut pas le valoriser à l'école, c'est une grande peine, c'est une grande tristesse. Il nous faut plus d'ambassadeurs, comme Jamila, capables de dialoguer en arabe, avec le monde arabe, pour communiquer aussi nos traditions, nos valeurs, nos richesses. Il est important que tous ces enfants qui sont dans nos écoles puissent avoir une note d'excellence en langue arabe depuis le collège et au lycée, avoir un 20 sur 20 dans cette matière qui va faire plaisir aussi à ses parents et ses grands-parents et pouvoir découvrir ensuite les richesses de sa culture. Voilà quelque chose de majeur et d'important. C'est à nous de le faire. Nous avons ce travail de porter cette langue arabe, je le crois, dans le système de l'éducation française et en Europe aussi, à l'échelle du monde. Nous pouvons être des ambassadeurs d'un monde meilleur, d'un monde plus fraternel. Et cette sororalité que nous vivons ce soir, avec toutes ces femmes issues d'horizons divers, c'est quelque chose à mettre en valeur et vraiment à apprécier. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sonia Badis, qui a fondé la société Badis Confort dans le tourisme médical et qui a créé un showroom privé, notamment pour les femmes du Moyen-Orient, et j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle vienne justement le présenter aujourd'hui. Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui, merci à la mairie de Paris de nous avoir invités, merci à Jamila d'avoir eu cette idée et ce courage de créer cette entreprise pour le Moyen-Orient, mais surtout pour la France, parce que la France et le Moyen-Orient ne peuvent pas se séparer. Et moi, je suis l'exemple vivant d'une mixité. Je suis une Algérienne, française, fière de l'être, avec un enfant français et un mari français. Et je suis arrivée adulte en France et je suis devenue femme en France. Donc, j'ai créé mon entreprise. Moi, je suis à l'origine pharmacien. J'ai fait mes études en Algérie, j'ai fait mes spécialités en France, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai eu la chance de travailler pour les marchés publics, pour une grande entreprise française dans la contention. Et j'ai créé un showroom, en fait c'est une orthopédie, donc je suis orthésiste actuellement. C'est une orthopédie où je reçois des patients, qu'ils soient français ou pas, sur rendez-vous pour tout ce qui est matériel médical. Donc on a autant, je traite énormément le matériel médical après le cancer du sein, notamment tout ce qui est matériel spécialisé, les prothèses mammaires, la lingerie spécialisée, mais aussi pour les brûlés. Ce qui manque, c'est le service. Le tourisme médical aujourd'hui en France se développe à une vitesse incroyable et croyez-moi qu'on n'est pas les seuls sur le marché. La Suisse, la Belgique ont très bien compris le système. C'est vrai que c'est important. La culture, dans l'Orient, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'être rassuré. Et d'être... je crois que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre comment on peut gérer le Moyen-Orient dans le luxe. Parce que ce n'est pas que dépenser, que acheter des grandes marques pour elles. Que ce n'est pas que manger dans les grands restaurants. C'est vraiment un tout. Il faut qu'elles se sentent valorisées, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'achat du luxe, dans tous les domaines. Et je crois qu'une initiative comme celle qu'a fait Jamila, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que toutes les femmes qui en parlaient aujourd'hui connaissent très bien le Moyen-Orient et ont senti ce besoin d'être accompagnées. Et il faut faire confiance aussi aux jeunes entreprises qui s'installent comme Jamila et leur permettre de s'installer dans les hôtels, de s'installer partout pour qu'ils puissent exister. Voilà. Donc, c'est un honneur d'être aussi aujourd'hui et de voir qu'il y a autant de femmes qui sont présentes, de voir autant qu'on peut faire beaucoup de choses et que tout le monde réfléchit à faire mieux. Et ça, c'est rassurant. Voilà, je vous remercie. Heureuse puisqu'on a eu la chance d'avoir des intervenantes, comme vous l'avez vu, très charmantes, qui ont partagé leur expérience personnelle. Et donc...
mon ressenti. Aujourd'hui, je suis très positif et ça me donne envie encore d'aller plus loin. Parce qu'en écoutant ces femmes et le public et la femme de l'ambassadeur du Qatar, eh bien, je suis persuadée qu'on est dans le bon chemin et qu'il faut continuer à avancer. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'être invitée à ce forum international franco-arabe qui parle donc, du luxe, de la mode et du tourisme. Donc mon ressenti, c'était une très belle présentation. Toutes ces femmes ont donné leur point de vue, leurs expériences et ça nous a apporté beaucoup. Elles ont insisté sur le fait que voilà, c'est vrai que le lien entre le monde arabe et le monde français n'est pas assez resserré, qu'il y a encore des efforts à faire. Et justement, Jamila Kherdoun a ouvert son entreprise qui justement devrait ouvrir ses portes et renforcer ce lien. Voilà. En fait, étant étudiante en marketing, donc du luxe, on s'attache souvent à ce commerce-là, effectivement, sur l'Asie, sur l'Amérique du Sud, du Nord et même du Sud. Et on s'intéresse finalement peu, c'est pas qu'on s'intéresse peu, mais c'est qu'on a moins les clés, je trouve, pour aborder le marché en fait, qu'il y a sur le Maghreb et des clientes qui en sont issues. Par exemple, moi, je suis française, j'ai pas d'origine, j'ai pas eu la chance d'avoir cette culture-là en fait, par un membre de ma famille ou autre. Et c'est vrai que je me sens assez désarmée du fait que, c'est vrai que le problème qu'elles ont mis en avant, c'est oui, on a jamais eu l'arabe de proposer dans notre cursus, on n'a jamais eu ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on passe à côté de ces clientes qui sont fidèles au luxe, qui aiment le luxe, qui veulent apprendre à connaître aussi le luxe français, car c'est historiquement nous sommes le pays justement de ce domaine-là. Et voilà, je pense que quelque part, c'est très intéressant pour justement se rendre compte de tous ces problèmes-là.